Chers participants, bonsoir. Donc, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter le master RH et gestion des talents. Je vais me présenter et présenter ma co-animatrice, Madame Boukhari. Donc, je suis Leila Bradaworth, je suis lauréate de HEM, docteur en ressources humaines et directrice de HEM Casablanca. J'ai le plaisir aujourd'hui de partager cette présentation avec Madame Boukhari Sana, qui est docteur en ressources humaines aussi et qui est enseignante, professeure à la faculté Rabat-Agdel. Donc, bonjour, bonsoir, Madame Boukhari. Bonsoir, chers amis et chers collègues, Madame Brada. Je suis très contente d'être parmi vous ce soir pour co-animer la présentation du certificat professionnel en gestion des ressources humaines et gestion des talents. Je vous remercie vivement de m'avoir donné l'occasion de participer et de partager avec vous ce moment d'échange autour du certificat. Et je souhaite la bienvenue à tous nos participants pour cet échange virtuel, effectivement, autour de cette thématique-là. Merci, Madame Boukhari. Donc, aujourd'hui, les conditions sanitaires nous imposent malheureusement le distanciel, mais c'est pas plus mal. On va en voir une opportunité. L'opportunité justement de pouvoir à n'importe quel moment réunir le maximum de personnes autour d'une thématique qui nous intéresse tous et sans aucune contrainte. Donc, bienvenue à tous. Je vais, si vous le permettez, nous allons, Madame Boukhari et moi-même, vous présenter le master RH et gestion des talents et on consacrera après un certain temps pour répondre aux différentes questions que vous posez ou que vous souhaitez nous poser. Donc, Madame Boukhari, on va commencer. Oui, tout à fait. Très bien, Allez, Madame. allons-y. Très Très bien. bien. Donc, nous avons le plaisir aujourd'hui de vous présenter le certificat RH et gestion des talents. Cette présentation va s'articuler autour d'une présentation de HEM. Pourquoi et quelles sont les finalités des différents certificats lancés par HEM? Et on va zoomer sur le certificat RH et la gestion des talents pour vous présenter non seulement ses finalités, mais aussi le corps enseignant de haut niveau qui animera, Inch'Allah, ces différents modules pour vous montrer, pour vous présenter le format global du certificat RH à travers son contenu, sa cible et son organisation, Inch'Allah, son format d'organisation. Donc, je vais commencer par la présentation de HEM. Donc, HEM, c'est 32 ans d'expertise et d'expérience dans l'enseignement supérieur. Elle a été créée par Monsieur Abdelali Ben Amour en 1988. Pour ceux qui ne le savent pas déjà, je vais répéter. C'est Monsieur Ben Amour, il est le premier directeur de l'ISKE et l'ancien président du Conseil de la concurrence. HEM, de par ses 32 années d'expérience, elle forme plus de 1 400 étudiants. Elle a déjà consacré plus de 5 500 lauréats et elle compte à plein temps plus de 170 collaborateurs et plus de 300 enseignants et experts vacataires. Quand on dit experts vacataires, c'est des professionnels experts dans leur domaine d'activité et
Sur les 300, on compte une cinquantaine d'experts internationaux parce que nos cours sont enseignés par différents profils nationaux, mais aussi étrangers avec nos différents partenaires. Depuis 2019, HEM a rejoint le réseau international canadien LCI Éducation et LCI Éducation est devenu actionnaire majoritaire. Je vais vous parler brièvement de LCI Éducation. Donc, LCI compte 60 ans dans le domaine de l'enseignement supérieur et existe dans les 5 continents et compte 23 campus dans le monde. Et cette carte montre un peu la répartition des différents campus, des 23 campus de LCI à travers le monde, en Vancouver, Montréal. Le premier, bien sûr, LCI, c'est Montréal, donc c'est parti après à travers tout le globe. Je vois là Jakarta, Tunis, Istanbul. Je vous laisse découvrir après, si vous le souhaitez, le réseau LCI Éducation. Pourquoi HEM a lancé des certificats ? Trois finalités complémentaires on avait en tête pour du lancement de ces certificats. D'abord, c'est répondre aux besoins des entreprises à travers une offre diversifiée. On voulait répondre à des offres spécifiques de l'entreprise et apporter des réponses adéquates à des entreprises et à un monde professionnel et organisationnel qui est en perpétuelle évolution. Mais aussi, on s'est dit, autant capitaliser sur un savoir-faire qu'on a accumulé depuis 32 années, parce que HEM, depuis 32 ans, elle développe une expertise pédagogique liée à ses spécialités, et aux différentes spécialités qu'elle offre à ses étudiants. Donc, pourquoi ne pas capitaliser sur ce savoir et le partager, le mettre à profit des entreprises et de ses collaborateurs ? Après, quelle est la finalité pour les participants par rapport à ces certificats ? C'est d'abord, les certificats sont destinés aux cadres opérant dans différents secteurs d'activité et ils sont là pour répondre à des besoins spécifiques, des besoins liés à une question précise que le cadre souhaite approfondir et qu'on maîtrise, nous, à HEM, de par les spécialités qu'on propose à nos étudiants. Donc, on est devenu expert de certaines questions, donc autant les mettre à profit des participants pour qu'ils permettent, pour qu'ils développent leurs compétences et pour qu'ils maîtrisent des techniques, de nouveaux outils, pour perfectionner leur travail, aussi pour suivre l'évolution de l'environnement et les changements organisationnels, parce qu'une personne qui ne met pas à jour ses acquis, qui ne met pas à jour ses compétences, et elle va être obsolète, donc elle ne va pas suivre l'évolution, elle ne va pas être à l'ère du temps et in fine c'est construire son évolution de carrière, c'est-à-dire faire émerger son potentiel et mettre le maximum de chances de son côté pour avoir une diversification dans sa carrière de telle sorte à ce qu'on puisse la faire évoluer. Aujourd'hui on vit tous dans un environnement très fluctuant de par encore cette crise sanitaire que nous vivons. Et donc, on a besoin aujourd'hui plus que jamais de petites choses qui vont nous permettre de peaufiner notre profil professionnel, de peaufiner nos compétences pour pouvoir faire face au marché et à la concurrence sur le marché de l'emploi.
Si nous avions à zoomer sur le master RH et la gestion des talents, quel est son objectif ou ses objectifs? Je parlerai globalement de l'importance, comprendre l'importance de la fonction RH et ses enjeux, parce que les ressources humaines, ils ont un enjeu aujourd'hui très important, organisationnel et stratégique limite, et stratégique qui permettent à l'entreprise d'évoluer et d'accompagner la stratégie RH de l'entreprise. Donc, aujourd'hui, ce master, il permet aux participants de formaliser et mettre en œuvre toutes les politiques RH pour accompagner la stratégie globale de l'entreprise. Madame Boukhari, je me permets de vous interpeller, si oui, vous. Oui, bien sûr. Alors, à votre avis, quel pourrait être l'impact ou l'avantage du certificat RH pour nos participants? Alors, très bonne question. Et en plus, vous en avez parlé, professeur Barada, en filigrane, dans ces différentes explications très riches en termes de contenu. Alors, l'impact, si vous voulez, on peut le dissocier selon la population cible. Alors, d'abord, cette formation, elle est destinée, si vous voulez, à deux populations cibles. D'abord, des personnes du domaine, c'est-à-dire du domaine de la gestion des ressources humaines, que ce soit des personnes déjà qui opèrent déjà dans la gestion des ressources humaines ou des nouveaux entrants dans le domaine. Alors, cette formation va leur permettre d'acquérir de nouvelles connaissances, de perfectionner leur savoir-faire déjà acquis, de renforcer un certain nombre d'aspects qui sont justement traités dans le cadre de cette formation-là, que ce soit un aspect lié à la gestion de carrière, un aspect lié à la rémunération, à n'importe quel type ou à n'importe quel axe qui va être abordé dans la formation, et on va en parler un peu plus en détail par la suite, et donc d'embrasser l'ensemble du processus ou des processus qui concernent la fonction de gestion des ressources humaines, sachant que cette fonction-là, par définition, est une fonction transversale, est une fonction de support au sein de l'entreprise. Et même si une personne, par exemple, qui a un poste de responsable recrutement ou une autre personne qui a un poste de gestion de carrière, etc., elle fait son travail, elle le fait correctement, etc. Mais elle a besoin d'avoir ce regard d'ensemble, ce regard général sur l'ensemble des activités dispensées par la fonction RH au sein de l'entreprise pour une meilleure efficacité collective. Aujourd'hui, on ne parle plus d'efficacité individuelle, mais une efficacité collective et une performance collective et une excellence collective de la fonction. Vous l'avez très bien signalé tout à l'heure, la fonction aujourd'hui n'est plus une fonction cantonnée à de l'administration et aux tâches basiques. Aujourd'hui, c'est une fonction stratégique au sein de l'entreprise. D'ailleurs, on ne parle plus de gestion des ressources humaines. Là, on en parle parce que c'est le jargon, etc. Mais scientifiquement, c'est le management stratégique des ressources humaines. La fonction, elle est devenue un partenaire stratégique pour l'entreprise. Donc, ce n'est plus une fonction basique de support. Elle produit, par exemple, des bulletins de paie ou elle gère l'absentéisme. Non. Aujourd'hui, pour mettre en œuvre la stratégie de l'entreprise, on a besoin de la gestion des ressources humaines pour atteindre ses objectifs à moyen et long terme. Alors ça, c'est pour la première cible. Deuxième cible, c'est des personnes qui sont spécialistes dans des métiers autres que la gestion des ressources humaines. Ça peut être des directeurs de fonctions achats, marketing, financiers, etc. Alors ces personnes-là,
Ils participent soit de manière active ou passive à la gestion des ressources humaines. Alors, active parce qu'ils ont des équipes à gérer, ils ont des collaborateurs à motiver, ils doivent faire des recrutements, ils doivent former du personnel, etc. Et là, c'est une sorte de responsabilisation qui leur est accordé de la part de l'activité RH au sein de l'entreprise. Si vous voulez, ce sont des managers, c'est des managers de proximité ou, si vous voulez, ce sont des relais RH. Donc, ils prennent en charge une partie de l'activité RH au sein de l'entreprise. Ils y participent aussi, enfin, on n'a pas besoin d'être un directeur achat pour participer à la fonction RH. On peut très bien être assistant ou n'importe quel poste au sein de l'entreprise pour participer à la fonction RH de manière passive. Et cette fois-ci, je vais être recruté, je vais être formé, je vais être évalué et j'ai besoin de comprendre les enjeux de ces outils-là pour que ça soit mené efficacement et pour moi et pour mon entreprise. Donc, si vous voulez, c'est les deux impacts qu'on peut mettre en avant à ce stade-là. Très bien, très bien. Merci, Madame Boukhari. Donc, je vais revenir en arrière et avancer. Donc, je vais vous présenter maintenant les animateurs auxquels on va s'associer parce que c'est une association dans le cadre de ce certificat. Donc, c'est des professeurs de haut niveau, c'est des enseignants de haut niveau, ce sont des universitaires, des experts en management, des praticiens, des coachs, des consultants. Je me suis amusée avec beaucoup de plaisir à faire cette diapo où je vous présente mes collègues DRH et de qualité, vraiment. J'ai le plaisir de vous présenter Monsieur Nofel Bouhnani, pardon, qui est aujourd'hui directeur capital humain chez Marjan, qui a commencé chez Lafarge en tant que HR manager chez Lafarge et à Aqua Group, avant de passer DRH chez Yazaki, pardon, et aujourd'hui il est directeur capital humain chez Marjan. Soufiane Mlel, lui, est DRH Afrique du Nord et Madagascar chez Atos. Ilham Gsous, qui est aujourd'hui consultante, mais dans un passé proche, elle était Executive Talent Acquisitions Manager chez Majorel. Et elle a travaillé chez l'OCP en tant que Talent Acquisition Senior Analysis chez OCP. Aziz Rahman, qui est Head of Human Capital chez Aqua Group, Aqua Power, pardon, pas Aqua Group, Aqua Power, qui dit Aqua Power dit les stations Nord. Je n'ai pas parlé de Adil Chaouki, je n'ai pas parlé de nos amis de L'Oréal et bien d'autres, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un ensemble d'experts métiers qui va être à votre disposition pour l'animation des différents séminaires, des différents modules. Parce qu'on a veillé à travers tous nos certificats, on a veillé à offrir un complément de théorie avant de passer à la pratique. Parce que c'est important d'avoir ou de connaître la théorie et les sous-bassements théoriques des différents certificats, des différentes
thématiques abordées par chaque certificat offert par HEM avant d'aborder le côté pratico-pratique et la réalité du terrain à travers des cas concrets, des cas d'entreprise réelles et à travers des expériences, parce que le partage d'expériences est très important pour nous, les ressources humaines, parce que rester dans la théorie, c'est bien, mais passer à la pratique, c'est encore mieux. Très bien, donc le certificat RH à qui il s'adresse, quelle est sa durée et où sera-t-il assuré? Donc, Madame Boukhari a présenté la cible. Je vais rappeler les deux principales idées qu'elle a développées. C'est que ce certificat s'adresse à des dirigeants d'entreprise ou des directeurs RH qui souhaitent s'outiller, acquérir de nouvelles compétences pour accompagner le changement de leur organisation, ou des cadres opérant dans d'autres métiers, comme on peut dire, dans d'autres métiers, achats, marketing ou autres, et qui souhaitent développer des compétences en ressources humaines. Je vais reprendre votre mot, Madame Boukhari, j'ai apprécié le vocable, ce sont des relais RH. C'est vrai que on a beau avoir un DRH dans une entreprise, mais le DRH ne peut pas être présent partout. Il ne peut pas être présent au niveau des directions ou des départements. Le directeur RH va coordonner, gérer, manager des équipes, mais le directeur marketing ou le directeur achat est un relais RH pour ses équipes. Et quand bien même le DRH recrute un responsable achat junior, quand on va arriver au cœur de métier, le DRH va devoir appeler le responsable achat va devoir appeler le responsable achat pour qu'il puisse passer l'entretien. Donc, c'est un travail de groupe, c'est un travail d'équipe, c'est aussi la fonction RH est une... C'est ça pourquoi on parle de fonction éclatée. C'est ça pourquoi on parle de fonction partagée. C'est parce que même les autres doivent s'intéresser aux ressources humaines et s'en imprégner. Bien, on arrive au contenu du certificat. On parlera de comment il sera organisé avant de passer au module, à la présentation du module, des différents modules. Donc, le format général, c'est 5 modules de 14 heures chacun et 70 heures au total, soit 70 heures au total. Un atelier pour l'encadrement du projet. Je vais inviter ma co-animatrice, Madame Boukhari. Pardon. Donc un atelier pour l'encadrement du projet. Madame Boukhari, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce projet? En quoi il consiste, s'il vous plaît? Très bien, chers collègues. Donc, je vais essayer de réagir par rapport effectivement à l'exercice qui est sous forme de projet de fin d'études ou, si vous le souhaitez, mémoire de fin d'études. Donc, c'est un exercice qui va être lancé pendant le premier module, c'est-à-dire dès le démarrage de la formation. Donc, vous allez pouvoir, à titre individuel, choisir une problématique en relation avec les ressources humaines. C'est une problématique qui est ancrée terrain, c'est-à-dire ça peut partir par exemple d'un dysfonctionnement que vous avez
observer au niveau de votre organisation, votre entreprise. Ça peut être, par exemple, une situation conflictuelle où vous souhaitez un petit peu trancher, apporter des solutions à votre entreprise. Ça peut être beaucoup de choses. Je vais en parler un peu plus tard. Et donc, cette problématique-là va être formulée et investie pendant une durée pratiquement de 6 mois. Donc, pendant ce cheminement-là, vous allez être encadré par l'un de nos experts qui constitue le corps pédagogique et professoral de la formation. Donc, le rôle de l'encadrant est bien entendu de vous orienter, de vous conseiller, de valider vos choix, etc. Alors, l'exercice, c'est d'investir cette problématique et d'essayer d'apporter des réponses sous forme d'action qu'on peut mettre, que vous pouvez mettre en œuvre au sein de votre entreprise, sous forme de solutions, hein, sous forme de, ça peut être des solutions de dépassement, ça peut être la mise en place d'une nouvelle démarche. Hein, je vous donne un exemple, une problématique qui porte sur la conduite de changement autour d'un projet de système d'information RH, IRH. Donc, vous pouvez investir cette problématique pendant 6 mois, étudier comment on peut mettre en place un SIRH, quels sont les facteurs humains à prendre et les facteurs organisationnels, à prendre en considération, comment conduire le changement, comment éviter la résistance au changement, quels sont les facteurs clés de succès, quels sont les facteurs d'échec, etc. Et vers la fin, au bout des 6 mois, vous allez proposer une démarche adaptée à votre contexte, c'est-à-dire adaptée à votre entreprise. Et ce travail-là va être bien sûr rédigé, déposé sous forme d'un manuscrit et évalué par le jury, hein, c'est-à-dire un ensemble d'experts qui vont porter un regard critique, bien entendu, sur votre travail. Et l'étape finale serait de soutenir votre projet devant cette commission-là. Alors, cet exercice, son intérêt, il est primordial. Parce que, d'abord, c'est un exercice très formateur en termes de méthodologie, en termes d'analyse, en termes de recul par rapport au vécu. Hein, vous êtes des professionnels pour la plupart, donc l'immersion terrain, elle est là. Et le fait de faire cet exercice-là va vous permettre d'avoir un regard un peu plus, externe sur des situations vécues au quotidien. Et donc, cette capacité d'analyse, cette capacité d'appropriation, cette capacité d'apporter un regard différent de ce que vous êtes en train de faire tous les jours est très importante. Et ça, c'est ce qu'on cherche, nous, à développer chez vous à travers cet exercice-là. Donc, c'est un exercice très formateur et très bénéfique pour les personnes qui vont, bien entendu, se lancer dans la formation. Voilà. Très bien, merci. Madame Bokhari. Merci pour toutes ces précisions. Au début, je vous avais parlé de 6 modules. Aujourd'hui, 5 modules de 14 heures, organisés le samedi de 8h30 à midi et de 14h à 17h30, et le dimanche de 8h30 à midi et de 17h30, de 14h à 17h30, donc 7 heures chaque jour, mais un week-end par mois, ce qui n'est pas grave. C'est un investissement en temps et en effort à faire pour une belle évolution de carrière. Et le 6e module où vous allez présenter et soutenir votre mémoire votre mémoire ou projet de fin d'études va être le 6e module. Alors, le contenu du certificat RH d'une façon précise. Donc, les 5 modules, le certificat RH est organisé en 5 modules. Et le premier module, c'est la GRH, place et enjeux. Et j'invite Madame Bokhari à nous parler un peu plus sur ce premier module, s'il vous plaît. Très bien.
Merci, chère Madame Brada. Donc, ce premier module, donc vous avez 5 modules. Le premier, il porte sur la GRH, les placés en jeu. Donc, ça, c'est les fondements de la gestion des ressources humaines. Donc, c'est normal, c'est tout à fait logique de commencer par ce module-là pour asseoir les fondamentaux de la GRH. Alors, tout à l'heure, Madame Brada l'a très bien expliqué et exprimé aussi en disant qu'il y aura un peu de théorie et beaucoup de terrain. Donc, la logique derrière la, si vous voulez, cette conception pédagogique, parce qu'on a mis du temps pour concevoir effectivement un programme qui répond aux normes pédagogiques les plus exigées ou exigeantes, si vous voulez. Donc ici, on a essayé de commencer avec les fondamentaux, d'asseoir les éléments ou les plus basiques pour pouvoir s'approprier un peu plus ce qui va arriver par la suite dans le module 2, 3, 4 et 5. Donc, on va essayer, bien entendu, de présenter la fonction RH, ses enjeux, ses rôles, ses missions, les différents profils de DRH qui existent dans les entreprises, les différentes visions de la gestion des ressources humaines qui existent dans les entreprises. Alors, vous le savez certainement, la gestion des ressources humaines, c'est une fonction transversale, c'est une fonction support, mais ce n'est pas une fonction clé en main. C'est-à-dire, chaque entreprise, chaque organisation, elle a ses propres spécificités qui font qu'elle va opter pour un ensemble d'outils, un ensemble de méthodes en gestion des ressources humaines, une vision peut-être à court terme, peut-être à long terme, une focalisation peut-être sur les processus un peu plus, peut-être sur les hommes un peu plus, et ça rend la fonction un peu plus compliquée. Tout ça, on va le décortiquer, on va l'analyser, on va vous le présenter dans le premier module. À travers, effectivement, je le disais, les rôles, les missions, les grands domaines de la gestion des ressources humaines, ça va au-delà des fonctions les plus classiques pour intégrer aujourd'hui de nouvelles fonctions, notamment tout ce qui est SIRH, tout ce qui est digitalisation, tout ce qui est parmi les missions, donc on peut aussi citer le knowledge management, c'est des fonctions, de nouvelles fonctions qui sont contrôle de gestion sociale, ce sont les nouvelles fonctions, des fonctions tendances, des activités tendances, dans la gestion des ressources humaines. Et pour couronner le tout, on fera également allusion à tout ce qui est principaux axes de la législation du travail, donc tout ce qui tourne autour des contrats de travail, la gestion des maladies, les licenciements, etc. au sein de l'entreprise. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, l'objectif principal de ce premier module. Et donc une fois que le premier module est fait, validé, donc on passe au deuxième module pour attaquer effectivement la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la GPEC. Alors la GPEC, elle fait partie des outils stratégiques de la gestion des ressources humaines. Alors je le disais tout à l'heure, la gestion des ressources humaines n'est pas une fonction administrative. Aujourd'hui, la gestion des ressources humaines est une fonction stratégique au sein de l'entreprise, et parmi les outils qui permettent de répondre à la stratégie de l'entreprise au niveau des ressources humaines, c'est la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Donc, on va essayer de voir, de connaître la stratégie de l'entreprise, et pour la mettre en œuvre, donc, il nous faut une GPEC à mettre en place. Donc, dans ce module-là, vous allez connaître les concepts fondamentaux, effectivement, de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, que ce soit la GPEC, les fiches de poste, les métiers, etc., tout ce qui concerne les outils de la GPEC. Ensuite, on passera au processus et différentes phases de la mise en place de la gestion de la GPEC. C'est un processus qui est lourd, donc il faut comprendre, qu'il faut appréhender. Pour cela, vous aurez un animateur, un expert en gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, avec beaucoup d'exemples concrets et beaucoup de retours sur expérience, parce que c'est parler de la GPEC et enseigner la GPEC, c'est facile, mais c'est surtout, ce qui est très important, et ça c'est le point, si vous voulez,
positif et très positif de cette formation-là, c'est que vous allez avoir en face de vous des experts qui ont vécu la mise en place d'un processus de GPEC et qui viennent vous expliquer comment ça se passe, comment il faut faire, quels sont les pièges à éviter, parce que c'est un processus qui est lourd en termes, si vous voulez, techniques, mais aussi en termes d'investissement pour les entreprises. Toutes les entreprises n'ont pas un dispositif de GPEC et donc ça serait bien de voir comment il faut le mettre en place, quels sont les facteurs clés de succès, quels sont les pièges à éviter, etc. Et tout ça, vous allez le découvrir grâce à nos experts avec qui vous allez échanger autour de cette thématique-là. Le troisième module, c'est là aussi, c'est, on est en pleine acquisition de personnel au sein de l'entreprise. Donc, parmi les fonctions les plus classiques, c'est le recrutement. Donc, on va, vous allez voir tout ce qui est, enfin, tous les éléments autour de la stratégie de recrutement, les processus, les différentes étapes, les différents outils. Tout ça sera bien entendu contextualisé avec ce qui se passe aujourd'hui, la crise sanitaire, la pandémie, quels sont les outils qui sont les plus mobilisés aujourd'hui, les classiques, les tendances aujourd'hui. Donc, toute le contenu de ce module, il sera contextualisé par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, bien entendu. Quels sont les facteurs clés de succès? Et ce qui est très important dans le processus de recrutement, et là, on l'a bien souligné à travers le troisième point, c'est-à-dire l'intégration, c'est que, oui, on fait du recrutement la plupart du temps dans les entreprises, on suit les étapes, etc. Mais on arrive à l'intégration et on zappe. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas conscience que c'est l'aboutissement d'un processus de recrutement qui est efficace et qui est réussi. Quand il n'y a pas d'intégration, ben c'est comme si la personne, elle intègre l'entreprise et puis elle est lâchée dans la nature, sachant que, enfin, on est tous passés par là. Effectivement, lorsque vous intégrez l'entreprise, la première image que vous allez avoir de l'entreprise ou de l'organisation, c'est celle que vous allez garder pour bien longtemps dans votre tête. Et donc, cette première impression, ben, il faut la soigner. Comme aujourd'hui, on parle de marque employeur, image de l'entreprise, réputation, et parmi les éléments qu'il faut soigner, c'est cette question d'intégration qui est une étape intégrante du processus de recrutement. Alors, dans ce module-là, vous allez voir aussi la mobilité, tout ce qui est gestion de carrière, les différents types de mobilité, qu'est-ce que ça représente pour l'entreprise, mobilité interne, externe, verticale, horizontale, latérale, c'est quoi la différence, comment vous pouvez tracer votre parcours mobilité. Comment vous pouvez aussi tracer le parcours professionnel des personnes que vous encadrez, que vous gérez au sein de votre entreprise, etc. Donc, tous les éléments autour de la politique de mobilité, de gestion de carrière, hommes et femmes, et on va voir aussi des problématiques qui sont très intéressantes à travers la gestion de carrière, vont être débattues et expliquées et analysées dans le module 3. Le quatrième module portera sur le développement des compétences et le système d'appréciation. Alors, j'insiste et je souligne cette question-là. On n'a pas parlé d'évaluation parce qu'elle a une connotation négative. Mais généralement, ces systèmes d'appréciation, ce qu'on veut dire par là, c'est l'évaluation. Hein, mais c'est le terme, si vous voulez, classique, mais avec une connotation évaluateur et évalué. Là, on est dans la valorisation du capital humain, on est dans le développement humain, etc. Et dans cette valorisation, on a tenu à utiliser le système d'appréciation, les compétences. C'est quoi une compétence? De quoi elle est constituée? Comment je peux développer mes compétences? Moi, en tant que personne qui va participer, bien entendu, au certificat et à la formation, mais aussi, je me positionne vis-à-vis des personnes que je vais gérer ou que je gère au quotidien. Et ça, c'est très important. Hein, ce regard et cette efficacité collective, elle est très importante. On est dans la valorisation du capital humain. Donc, il faut garder ça, c'est l'optique de cette formation-là et c'est la logique que nous avons adopté pour faire justement cette proposition-là.
Alors, ce système d'appréciation, il y a des enjeux, hein. Tout le monde fait de l'appréciation, si vous voulez. Mais quand l'appréciation, quand le système, il n'aboutit pas à des actions concrètes, au lieu qu'il devienne un facteur de motivation chez les collaborateurs, il devient un facteur de démotivation, hein. Si vous voulez, j'utilise le terme le plus familier, je suis évalué par mon supérieur hiérarchique. Et lors de mon entretien d'évaluation, j'ai exprimé mes besoins en termes de formation ou en termes de mobilité, etc. Et par la suite, il n'y a aucune action qui a été entreprise suite à mon entretien. Donc, au lieu que cet outil-là me pousse, justement, on fait le bilan de l'année passée et de l'année à venir, donc on fixe les nouveaux objectifs, au lieu que ça me pousse à atteindre les nouveaux objectifs, à travailler plus, à me donner plus, à m'impliquer, quand je vois que finalement j'ai réussi mes objectifs passés, il n'y a aucune conséquence à mon niveau, exprimée à mon niveau qui a été mise en œuvre, ben forcément, ça va devenir un facteur de démotivation. Il faut être conscient de ces enjeux-là. Et donc, à travers nous, à travers ce module-là, on ne présente pas seulement les outils. On va vous présenter des outils, mais on va aussi vous. On va essayer de souligner et vous. Si vous voulez, toucher un petit peu les problématiques autour de ces outils-là. C'est-à-dire, oui, l'outil, il est là, je peux l'appliquer, je peux me l'approprier, mais attention, il y a des pièges, il y a des façons efficaces pour, enfin, de bonnes façons de faire les choses, mais attention, il y a aussi des pièges qui peuvent coûter cher à l'entreprise en termes de motivation et d'implication du capital humain de ses collaborateurs. Donc, voilà, en gros, la logique de l'ensemble des modules. Le cinquième module maintenant porte sur la rémunération. Alors ça, c'est le sujet le plus sensible en gestion des ressources humaines parce que effectivement, c'est la relation entre l'employeur, la relation la plus classique, hein, si vous voulez, entre l'employeur et l'employé. Donc, effectivement, là, on va parler de contribution, rétribution, on va parler d'équité organisationnelle, justice organisationnelle, comparaison interne, comparaison externe. Toutes ces problématiques-là sont très importantes. Il faut être conscient de ces éléments-là. Au-delà de l'outil, on va vous présenter aussi, hein, ça c'est clair et net, les basiques de la rémunération, les outils de la rémunération, tous les éléments nécessaires à connaître, effectivement, au niveau de ce plan-là, que ce soit la politique de rémunération, le système, la classification, les grilles de salaire, etc. Mais aussi, on va mettre l'accent sur toutes les problématiques qui existent autour de ce sujet-là qui est très sensible et qui, je l'ai dit, hein, on est en plein relation directe entre l'employeur et son collaborateur. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Après, si vous voulez, on peut toujours échanger autour de du Très bien. contenu de chaque module. Très bien. Je me permets, Madame Boukhari, de revenir au module 4 et Oui. de vous demander de parler de la formation Ah oui, c'est professionnelle. vrai. Oui, tout à fait. Je suis passée directement à l'appréciation. Oui, effectivement, la formation. Alors, la formation, on va l'aborder également dans le module 4. Et appréciation et formation font partie de ce qu'on appelle la stimulation du capital humain au sein de l'entreprise. Alors, la formation, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on va la détailler à travers tous les points, tous les aspects de la formation professionnelle. La formation, c'est une co-responsabilité entre le collaborateur et son entreprise. Zefnes croit que la formation, bon, il y a un plan de formation, etc. Et on subit un petit peu, hein, vous pouvez partir faire cette formation-là pendant 3 jours, etc. Donc, on attend toujours qu'on nous dise où est-ce qu'il faut aller, et quand, etc. Non, la formation,
En tant que collaborateur dans notre entreprise, la formation, vous pouvez la programmer vous-même avec votre supérieur hiérarchique et vous pouvez faire la même chose. Hein, vous êtes des relais RH si vous ne travaillez pas dans le domaine. Sinon, si, quand vous travaillez dans le domaine, il faut aussi valoriser ce type d'éléments au sein de l'entreprise, c'est-à-dire cette responsabilisation. Et donc, la formation va être présentée comme une co-responsabilité entre la personne concernée et son entreprise. Et ici, on va aborder tous les aspects de la formation professionnelle, comment l'évaluation de la formation professionnelle, comment faire de l'ingénierie de formation, le plan de formation et tous les autres outils autour de cette thématique-là. Je pense que j'ai fait le tour, Madame Rada. Très bien, Madame Bokhari. Merci beaucoup. Donc, comment sont évalués les candidats pour l'obtention du certificat? Donc, le certificat porte sur trois modes d'évaluation complémentaires, j'estime vraiment, et important chacun pour les trois différentes évaluations, la présence et la participation à hauteur de 10%, tout simplement parce que nous cherchons des candidats qui vont être actifs, actifs dans leur formation, qui vont participer dans leur formation. C'est très important parce que il ne faut pas être un acteur passif, il faut être un acteur actif. Et qui plus est, aujourd'hui, on est sur des problématiques très réelles et accompagnées par des experts, d'où l'importance qu'on donne à la présence, bien sûr, et à la participation. Et la présence physique, mais aussi mentale. Il ne suffit pas d'être présent physiquement. Et la présence d'esprit. D'esprit, voilà. Il ne suffit pas d'être présent juste physiquement. Donc, un examen écrit qui va être à l'issue, c'est une épreuve globale qui va porter sur les 5 modules. On va voir, on est en train de travailler sur le format. Ça va être certainement une étude de cas englobant un certain nombre de problématiques RH traitées dans les différents modules et à travers laquelle cette étude de cas vous allez avoir recours à tout ce que vous avez vu sur le plan personnel, sur le plan pardon théorique, mais aussi sur le plan pratique, et où on va stimuler votre esprit RH, votre esprit en tant que responsable en charge de l'entreprise, etc. Et bien sûr, le projet, il compte pour 50%. Pourquoi le projet il compte pour 50%? Parce que tout simplement, comme a présenté ma collègue Madame Bokhari, c'est que on va veiller à ce que vous soyez encadrés par des professionnels et qui vont vous accompagner sur des problématiques réelles que vous pouvez rencontrer. Donc, soit des problématiques que vous rencontrez dans l'exercice de votre fonction, lors de votre quotidien, dans votre entreprise, vous pourrez en faire un sujet à traiter dans le cadre de votre mémoire ou de votre projet de fin d'études, de votre projet de fin de certificat, ou des problématiques qui ne vous concernent pas forcément, mais qui vous intéressent, comme l'exemple qu'a cité Madame Bokhari du SIRH. Si effectivement l'exemple
Si vous avez des sujets qui pourraient vous intéresser, ben vous pouvez les travailler dans le cadre de ce projet de fin de certificat pour acquérir une expertise, une expérience et profiter de la personne, du professeur expert en RH qui va vous encadrer pour échanger, pour construire, pour aller sur le terrain avec tout en étant accompagné, pas livré à soi-même. Donc, c'est pourquoi on accorde une grande importance à ce projet, parce que il fait partie de votre quotidien. On souhaite qu'il fera partie de votre quotidien et qu'on pourra vous accompagner dans ce sens. Très bien. Alors, les conditions. Donc, la sélection des candidats, elle se fera sur dossier, mais surtout à travers un entretien oral. L'entretien, il est surtout fait ou là, organisé pour évaluer les motivations du candidat. Franchement, on veut des candidats motivés, passionnés, comme nous deux, hein, Madame Bokhari, passionnés par les ressources humaines et qui veulent vraiment, ils ont des un projet professionnel concret et pour lesquels on va les dans lequel on va les accompagner avec toute notre expertise, tout notre recul, et on va vous accompagner durant ces 6 modules ou durant le certificat RH globalement. Si vous souhaitez candidater au certificat RH, vous pouvez envoyer votre dossier scanné à Madame Soukaina Diouri, qui est notre responsable admission SCI Afrique. Vous pouvez candidater à travers une demande, photocopie du dernier diplôme et justificatif du cursus suivi, une lettre de motivation pour le certificat demandé et une photocopie certifiée une photocopie de CIN pas certifiée normale. Voilà, juste pour information, les autres certificats organisés par HEM et SAN, le marketing digital, manager nouvelle génération, IFRS et consolidation, achat et fintech. Voilà, donc nous sommes, Madame Bokhari et moi-même, à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, si vous en avez. Merhaba, on est là pour y répondre. Tout à fait, oui. J'espère que cette présentation vous a été utile et j'espère qu'on pourra, de toute façon, Madame Bokhari et moi-même sommes à votre disposition, même à HEM. Madame Bokhari, elle intervient à HEM. Moi, j'opère à HEM Casablanca. Je suis à votre disposition à HEM Casablanca. Vous pouvez venir sur place, on pourra discuter, échanger. Mais on est là à votre disposition si vous avez des questions, poser des questions ou demander plus d'explications. Nous sommes là à votre écoute. Voilà. Alors bonsoir, si je peux m'intervenir. Ah, très bien, bien sûr, avec plaisir, madame. Alors, bonsoir, mesdames, bonsoir à tous les candidats. Alors, merci beaucoup d'ailleurs pour la présentation, c'était très riche, vu que c'est un domaine de métier que tout nouveau pour moi. Alors, je me présente brièvement déjà par rapport à mon parcours et pourquoi je veux faire le certificat. Alors, déjà, depuis l'obtention de mon premier diplôme, j'ai toujours été à la banque et je ne connaissais que la banque. Et je suis passée par tous les métiers de banque,
de la caisse jusqu'à responsable de l'agence. Bien sûr, responsable d'agence particulier. Et après un bref recul dû, bien sûr, aux enfants que j'ai eus par la suite, j'ai réintégré encore le domaine professionnel en allant vers l'aérien. J'ai travaillé pendant une année à la Royal Air Maroc. Et vu la pandémie qui est là, déjà à la fin de mon CDD, alors j'ai encore resté à la maison pour 3 mois, j'ai chômé. Et là, j'ai encore pris l'initiative de basculer vers un autre domaine, c'est le domaine informatique. Là, j'ai intégré une société suisse qui est spécialisée dans l'IT et l'ingénierie informatique et comme assistante polyvalente. Chose que je n'ai jamais fait d'ailleurs auparavant. Et dernièrement, puisque c'est une société suisse et on a déjà la société mère en Suisse, j'étais appelée à faire le métier de sourceuse. Ça veut dire que je vais commencer à chercher des profils pour aider le service RH en Suisse. Et je serai tout d'abord le premier contact avec les candidats. Et bien sûr, nos candidats, ils sont un petit peu spéciaux parce que ce sont tous des ingénieurs de haut niveau qui opèrent dans le software, hardware et qui travaillent dans leur domaine d'expertise. Et avec ma petite expérience aussi dans l'informatique, alors je me vois plongée dans le domaine HR, bien sûr, les ressources humaines. Et bien sûr, j'ai vu que votre certificat est très important et très, en fait... C'est par la cause, en fait, vu que je me suis fait appeler à travailler avec la Suisse dernièrement dans ce domaine-là. Peut-être que leur vision, ça serait par la suite à ce que j'intègre le service RH suisse. Alors, je me suis dit, le certificat de l'HEM, je crois que ça sera la solution par rapport à ma demande. Et bien sûr, pour compléter déjà tout ce que j'ai acquis, vu que j'ai mon profil un petit peu... il est diversifié, il a beaucoup de domaines de compétences puisque j'ai fait partie de beaucoup de domaines en même temps. Alors en fait, là c'était un petit peu lent. Ma question est très simple, juste par rapport au certificat, parce que je vous ai vu Madame Barada dire au début c'était un master ou bien un certificat, c'était juste pour spécifier en fait la nature du certificat. Et en plus, deuxième question. Et je ne sais pas si vous avez la réponse ou pas, mais c'est juste par rapport au paiement du certificat. J'ai vu que c'est un paiement personnel. Il y a aussi un pack pour société, chose que je n'ai pas compris. Est-ce que vous avez un pack si jamais il y a une société qui veut en fait inscrire plusieurs profils de la même société ou bien c'était juste pour une seule personne? Voilà. Très bien. Merci, Madame Salahdin. Pour vos questions et votre intervention. Et je vous souhaite une très bonne conversion professionnelle. Parce Merci que beaucoup. Des ressources humaines, j'en sais quelque chose parce que moi aussi, je suis une reconvertie RH. Et donc, je suis passionnée par les ressources humaines. Je vous le souhaite aussi. Donc, je vais répondre à votre première question. Excusez-moi, j'ai dit si j'ai parlé de master. C'est un certificat et non un master. C'est un certificat professionnel. Et Madame Boukhari, d'ailleurs, elle m'a corrigé en le précisant, en le répétant gentiment, sans le dire. Oui, c'est pas un master, c'est un certificat professionnel. C'est un certificat qui est dédié aux professionnels et pour développer des compétences professionnelles. Voilà. Ça, c'est pour la première question. Alors, la deuxième question. Alors, pour le prix, effectivement, je ne vais pas en parler explicitement aujourd'hui, mais je vous invite à... je vais vous expliciter, est-ce qu'il y a des packs entreprises? Oui, il y a des packs entreprises. C'est-à-dire que si une entreprise veut, inscrire dans ce certificat plusieurs de ses collaborateurs, c'est possible et c'est possible d'avoir une réduction dans ce sens. Je vous invite, Madame Salahdin, à contacter ma collègue, Madame Soukaina Diouri.
Vous arrivez à voir son adresse mail sur parce que j'ai laissé le document partagé. Oui, je le vois bien, c'est déjà noté, merci beaucoup. Voilà, là, là. Donc oui, vous pouvez contacter ma collègue Sokeina Diori, elle vous donnera toute l'information nécessaire par rapport au prix et comment et négocier les prix, comment est négocié le prix pour les entreprises. Merci beaucoup. Avec plaisir, madame. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, madame Fidoudi. Esme. Vous avez la parole, madame. Merci, bonsoir. Bonsoir. Me recevez? Oui, oui, très bien. Tout à fait. D'ailleurs, je vous remercie pour votre parfaite présentation. C'était bien clair et précis. Je me présente. Tout d'abord, je suis Fidoudi Asma, étudiante en deuxième année, master en gouvernance, gestion des ressources humaines et ingénierie des compétences. En fait, je me suis demandé sur quelque chose, sur les modules. Vous avez évoqué l'aspect opérationnel, opérationnel, mais vous n'avez pas évoqué l'aspect opérationnel, c'est-à-dire tout énergétique plutôt. Tout ce qui est en relation avec le bien-être, ce qui est en relation avec la gestion de stress, le changement organisationnel, le bilan social, tout ce qui est en relation avec, je dirais, la gestion des crises, les relations publiques. Donc, je me suis demandé pourquoi vous n'avez pas évoqué cet aspect. Alors, je vais répondre brièvement et je vais passer la parole à Madame Boukhari. Le certificat RH, ce certificat RH, Madame Fidoudi, ou Mademoiselle, pardon, Fidoudi, ce certificat RH spécialement et gestion des talents, c'est un certificat, c'est le premier certificat RH qu'on va lancer à HM, c'est-à-dire il y en aura d'autres et diversifiés, toujours dans l'optique de la diversification de l'offre. Donc effectivement, on va avoir un autre certificat RH qui va parler, lui, du bien-être au travail et je passe la parole à ma collègue qui va nous en parler brièvement. Tout à fait. Merci, Madame Brada. Merci, Madame Fidoudi, pour cette question. Alors, effectivement, les aspects énergétiques ne sont pas abordés ici de manière explicite parce que nous, notre optique, c'est de cibler la formation. C'est-à-dire, c'est une formation spécialisée. Donc, on pouvait le faire, mais on a choisi de ne pas le faire et rester cantonné sur l'aspect opérationnel de la gestion des ressources humaines pour avoir un output qui est beaucoup plus ciblé et qui est mieux, enfin, si vous voulez, plus percutant en termes de résultats concrets. Maintenant, effectivement, les aspects bien-être, conduite de changement, motivation, satisfaction, tout l'aspect énergétique des ressources humaines mériterait une formation à part entière dans ce sens-là. Donc, vous allez être d'accord avec moi qu'on ne peut pas tout faire en 70 heures, sinon ça ne va pas être correct vis-à-vis de nos participations. Donc, nous, on a préféré nous spécialiser sur l'aspect opérationnel et par la suite, les personnes qui sont bien entendu intéressés par l'aspect énergétique, ils peuvent par la suite suivre d'autres formations qui vont être proposées par HEM. C'est dans ce sens-là. Merci beaucoup pour votre réponse, pour votre retour. Merci infiniment. Je vous en Merci rends. À vous. Merci. Merci. Merci à vous, Madame Fidoudi. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Oui.
Alors, je vais vous parler peut-être, je vais partager avec vous quand lancer le certificat. On n'a pas parlé de date, mais voilà, le plus tôt possible, c'est-à-dire dès qu'on aura le nombre de candidats requis pour le lancement, on va lancer, Inch'Allah, il n'y a pas de raison. Et donc, le plus tôt, Zama, dès que nous allons obtenir vos candidatures, on va vous passer des entretiens et on va lancer la programmation des différents modules. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Très bien. Donc, Madame Boukhari, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose, partager quelque chose avec notre assistance? Rien de particulier. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Tout a été dit. Et puis voilà. Donc, je tiens à vous remercier pour votre écoute, pour votre présence. Et j'espère sincèrement qu'on va pouvoir se revoir dans le cadre effectivement de la concrétisation de cette formation très bientôt, Inch'Allah. Merci, merci Madame Boukhari. J'ai vu un micro activé. Est-ce que quelqu'un souhaite dire quelque chose? Oui, Madame. Bonsoir, c'est Madame Khadi Wafa. J'avais un empêchement, je n'ai pas rentré dès le début de la réunion. Juste, je pourrais avoir, est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir les slides? Comme ça, j'aurai une vision sur le certificat et tout. Très bien, madame. Est-ce que vous voyez ma présentation, madame Khadi? J'ai rentré, j'ai vu que les conditions d'admission. Donc, Très bien, je sais. Notez l'adresse mail qui est sur la diapo de Madame Soukainat Diori, qui est ma collègue responsable des admissions. Vous pouvez lui envoyer un mail, elle va vous l'envoyer. D'accord, merci beaucoup Madame. C'est avec plaisir. Elle va pouvoir la partager avec vous et toute personne qui souhaite la présentation peut la demander à Madame Soukainat Diori, pardon, et vous pouvez la réclamer auprès de chez elle. Merci pour votre présence, merci d'être restée jusqu'à la fin. Merci Madame Boukhari pour ce moment de partage. C'est avec grand plaisir de partager cette présentation avec toi. Merci beaucoup, c'est avec grand plaisir. Merci à Madame Brada, merci à Madame Boukhari, merci à tous. Merci à vous, merci à vous. Merci Madame Soussine Aimi, merci beaucoup. Merci, je suis fière d'être avec vous, merci, c'est très gentil. Merci à vous. Merci. Tout le plaisir est pour nous, Madame. Tout merci à vous. Merci pour votre écoute et votre patience. Merci beaucoup et bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée pour tout le monde. Merci à vous aussi.